Oh God, we thank you, we bless your name. Nous voulons te dire combien nous avons soif, combien nous avons soif de ta réalité. Combien nous te réclamons, combien nous te reconnaissons comme Dieu. Nous sommes là pour témoigner notre gratitude et notre allégeance. Nous voulons te dire, ô tendre Père, combien nous avons soif de ton feu, combien nous avons soif d'être embrasés, combien nous avons soif d'être établis, combien nous avons soif d'être affermis. Combien nous avons soif d'être établis véritables adorateurs. Hôtel de Dieu. Au-delà de nos mots, de nos chants, nous voulons t'offrir des sacrifices. Les sacrifices vivants que nous sommes. Nous voulons t'offrir le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom. Ton feu ton feu. Combien nous avons soif, nous avons soif de ton feu. Nous réclamons sur l'autel. Le feu de l'agrément de l'approbation divine. Plus que jamais, comme jamais auparavant. Envoie sur l'église, envoie sur nos vies, envoie un feu sans précédent, tendre Père. Parce qu'un nouveau cœur, un nouveau cœur a été formé en nous. C'est le cœur des véritables adorateurs. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie ou dans la comédie. Non. Maintenant, nous sommes rentrés dans la sincérité, dans la vérité, dans l'authenticité, dans le poids, la consistance, la tangibilité. Nous avons renoncé à la chair, tendre Père. Aide-nous à t'adorer, Père, en esprit, à sacrifier en esprit, à t'offrir des sacrifices spirituels en esprit. Explique encore, enseigne encore, jusqu'à ce que la dimension des véritables adorateurs soit atteinte et soit assise en nous. Ne nous laisse plus faibles ni superficiels. Supplions, t'implorons. Parce que tu es un feu dévorant. Fais de nous des feux dévorants. Des feux qui ne s'éteignent pas. Des feux embrasés et ambulants et permanents. Des feux mobiles. Réveille, déverse. Et que ton feu consume ce qui n'est pas de toi. Tous ces blocages, toutes ces chaînes et ces liens, ces présences non identifiées, ne peuvent pas tenir devant le feu. Déverse sur l'église de la francophonie et au-delà. Réveille des destructeurs d'hôtels sataniques. Réveille cette armée. Réveille. Envoie sur nous. Nous sommes candidats au feu de Dieu. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Ne nous laisse plus faibles ou superficiels. Alors continue de nous enseigner. Jusqu'à ce que la dimension des véritables adorateurs soit définitivement scellé en nous par le Saint-Esprit. Abba Père, nous t'implorons.
pour recevoir. Disposer nos cœurs pour recevoir ton délivre-nous de la fausseté, de la comédie religieuse, de l'hypocrisie religieuse. Amène-nous dans les profondeurs de ta connaissance. Abba Père, Abba Père, nous t'implorons. Comme jamais, jamais auparavant. Esprit de feu, embrasse l'église. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Parce qu'il y a une dimension de feu. Quel que soit ce que Dieu a déjà fait, que tu n'as pas encore expérimenté. Et que je n'ai pas encore expérimenté. Voilà pourquoi il y a de l'espoir pour demain. Ne craque pas, ne lâche pas, ne cède pas. Ne capitule pas, ne baisse pas les bras, ne rends pas les armes. Un feu arrive sur l'église. Un feu arrive sur l'église. Un feu arrive dans ta vie. Dans les prochains mois, un feu arrive. Tu n'as pas tout vu encore. Ne cède pas. Ne lâche pas. Tiens bon. Tiens ferme. Il y a un feu qui arrive. On avait dit incurable, impossible, improbable, impensable. Mais en réalité, ça dépend de l'intensité du feu. Parce qu'il y a des niveaux de feu où plus rien ne reste en dehors du feu lui-même. Voilà la dimension que j'annonce sur l'église. J'annonce sur un pasteur chrétien. J'annonce sur notre famille spirituelle. J'annonce sur le corps de Christ une dimension. Une dimension de feu sans précédent. Te remercions. Et la parole que tu envoies révèle la préparation que tu es en train d'effectuer. Le toilettage, le nettoyage des cœurs de ton peuple. Afin que l'autel de Dieu dans nos vies, l'autel érigé dans nos familles, plus jamais ne soit un autel vide, sec et impuissant, mais qui devienne un autel qui parlera sur nos familles et qui contrôlera désormais la température de nos familles, même ceux qui ne sont pas convertis. J'annonce que ce ne sont plus les autels sataniques qui contrôleront toute ma famille. Ce sera l'autel que j'aurai bâti avec Dieu qui va contrôler ma destinée, ma postérité et mes frères et mes soeurs et les parents au nom de Jésus. Fini le règne du serpent. Fini le règne du dragon. Fini le règne de l'esprit des eaux. Fini le règne des autels sataniques. Nous annonçons, proclamons et décrétons le règne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Béni soit le règne qui vient. Nous acclamons ton règne. Nous acclamons, acclamons, acclamons ton règne. Nous acclamons ton règne. Allez, patate, les mots, patate, les mots. Nous acclamons ton règne. Si tu es un candidat au feu, tu dois acclamer plus fort que cela.